pour cette nouvelle vidéoconférence. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons l'honneur de recevoir Cheikh Monsef Zenati, qui est professeur à l'USH de Château-Chinon. Il est. Pardon, je suis désolé. Il est donc aussi responsable de la partie, enseignement à distance. Et il est aussi l'auteur de plusieurs livres, La Sunna mode d'emploi, La pureté rituelle. Il est aussi le traducteur du livre de Fiqh de Cheikh Faisal Maolawi. Donc voilà, donc il est auteur de plusieurs livres. Et aujourd'hui, Inch'Allah, il interviendra sur le sujet la morale en islam. Donc sans plus tarder, je lui laisse la parole. Et comme d'habitude, hein, vous avez maintenant l'habitude, vous pouvez participer donc le long de son intervention en posant des questions. Et donc par la suite, Inch'Allah, on pourra échanger par rapport à vos questions. Donc je lui laisse la parole sans plus tarder. بسم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ورضي الله تعالى عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين. Donc nous sommes réunis ce soir pour parler d'un sujet très important, primordial en islam, qui est donc la question de l'akhlaq, donc la morale, l'éthique, le comportement moral. L'islam, on peut dire que en fait l'islam a quatre fondations. Les fondations de l'islam sont au nombre de quatre. Donc l'aqida, la foi, la croyance musulmane. Deuxièmement, Mouad, je ne sais pas, j'ai vu un message rapidement, il est passé. Après, je n'ai pas vu ce que tu m'as dit. Non, non, mais c'était un message pour tout le monde qu'en gros, ils peuvent écrire via l'espace. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, je dis, les fondations de l'islam sont au nombre de quatre. Aqida, la croyance. Al-ibada, l'adoration. Al-akhlaq, la morale, et at-tashri', donc la législation. Donc, quand on dit les fondations de l'islam, c'est-à-dire l'islam est fondé ou bien l'islam est composé de ces quatre composantes essentielles. Donc, l'islam est composé de quatre choses, donc d'une croyance, adoration, morale et législation. Alors, il est très important de parler de la morale parce que finalement, quand on va voir que la morale, c'est l'objectif final. C'est vraiment le fruit de tout cela. De l'aqida, c'est le fruit de l'ibadat, c'est le fruit de la législation. Et donc, on va voir que la morale, ou ce qui fait l'importance de la morale, c'est qu'elle est liée à tous les domaines de la religion et elle intervient dans tous les domaines de la vie. Et comme je vous ai dit, il est très important de parler de cela parce que on voit de plus en plus les musulmans, mais en réalité, tous, ici, hein, et la majorité malheureusement des musulmans, nous sommes des musulmans dans la forme, dans l'apparence. Quand je dis dans la forme, dans l'apparence, y compris, hein, je ne parle pas uniquement de la barbe, de tenue vestimentaire, non, je parle aussi même des actes d'adoration, prière, jeûne. On est des musulmans dans la forme. Mais dans le fond, comment on sait qu'on est véritablement musulman? C'est ce que fait l'islam de nous. Donc, ça va se répercuter sur la morale. Comme on dit, l'important, ce n'est pas ce que le musulman dit de sa foi, c'est ce que sa foi, l'important, c'est ce que sa foi fait de lui. Montre-moi que tu es musulman. Nous ne savons
parler de l'islam, mais on ne sait pas montrer c'est quoi l'islam, voire même on peut montrer le contraire. Combien on voit, par exemple, la majorité des musulmans, mashallah, leur sonnerie de portable, bien que je ne suis pas pour, mais il y en a beaucoup, donc c'est l'adhan. Hein. Ils sonnent à chaque moment de la prière, l'adhan. Dans leur voiture, tu vois le Coran accroché, chez eux, le Coran accroché sur les murs. Hein. Mais malheureusement, ce Coran, il n'a pas d'impact sur notre vie de tous les jours. On voit aussi, surtout maintenant, hein, on est des musulmans d'Internet, de Facebook, etc. On voit des personnes qui, en voulant défendre l'islam, il va utiliser des obscénités. Et pour lui, c'est tout à fait normal. Et dans les commentaires, il n'y en a pas un qui va lui dire « Mais mon frère, comment tu fais là, tu veux défendre l'islam alors que tu utilises des gros mots, etc. » Non, c'est quelque chose de normal. Et il m'est arrivé des fois hein, d'envoyer un petit message comme ça, donc tu ne peux pas défendre l'islam en entendant ces mots-là. Ah, c'est carrément, après, je suis le fautif. Comment lui dire, comment lui faire ce conseil, etc. Alors que, comme j'ai dit, normalement, l'islam, les fruits des enseignements de l'islam, c'est la morale. Et la morale a une si grande importance que lorsqu'Allah Azza wa Jalla, d'ailleurs, lorsqu'il a voulu faire l'éloge du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a mis en avant ? Son éthique, sa morale, ses nobles caractères. Allah Azza wa Jalla dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » et tu es certes d'une moralité éminente. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a synthétisé l'objectif principal de sa mission. Toute sa mission. Il dit « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé qu'afin d'accomplir les nobles caractères. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, il résume l'objectif de tout son message, c'est pour parfaire les nobles caractères. Donc, en tant que musulman, je dois me poser cette question. Donc, est-ce que, hein, justement, est-ce que ma croyance, ma foi, a changé quoi que ce soit en mon comportement ? Alors, mais aussi l'importance de la morale en islam se manifeste hein, particulièrement par le fait qu'elle intervient dans tous les domaines, dans tous les éléments constitutifs de l'islam et dans tous ses enseignements. On va voir que l'akhlaq, c'est lié à l'aqida, c'est lié à la croyance. L'akhlaq, la morale, c'est lié à l'ibadat, aux affaires sociales. La morale intervient dans tous les domaines de la vie, dans la politique, dans l'économie, en temps de paix, en temps de guerre, etc. Et notamment, donc, on va voir tout d'abord comment la morale est liée à l'aqida. Lorsque la croyance musulmane, l'aqida, l'iman, est vraiment accomplie, elle produit ses effets. Elle produit vraiment ses effets. Et elle se traduit forcément en noble caractère. Comme disait l'imam Hassan al-Basri, « Laysa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli » إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. Hassan al-Basri, le grand tabi'i, l'élève de Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, disait la foi n'est pas une question d'apparence ou de prétention. La foi, c'est ce qui est ancré. Par apparence, comme j'ai dit, c'est pas une question d'apparence physique ou vestimentaire. Hein. Apparence, c'est aussi dans les actes apparents. Donc, il dit la croyance et ce qui est ancré dans le cœur, traduit par l'action. Donc la croyance se manifeste en action, se traduit en noble caractère. Et ça, on peut facilement le voir dans le Coran. Parce que Allah Azza wa Jalla, il traduit toujours la croyance dans des comportements. Par exemple, il dit, « Qad aflaha al-mu'minoun » Bienheureux sont certes les croyants. Donc il parle des croyants, de la croyance. Et ça se traduit par l'action. « Allavina hum fi salatihim khashi'un » Ceux qui sont humbles dans leur salat. « Wallavina hum anil lagwi mu'ridun » Ceux qui se détournent des futilités.
والذين هم للزكاة فاعلون qui s'acquitte de la zakat, et qui, donc, et qui préserve leur sexe, c'est-à-dire leur chasteté. Et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements. Regardez, croyant, donc, il parle de croyance. C'est traduit, le Coran traduit par l'action. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est l'effet de la croyance. C'est-à-dire, si tu es véritablement croyant, ça va se voir sur ton comportement. Allah Azza wa Jalla dit également « Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatun zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun » Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. C'est qui cela? Regardez après, ça se traduit en pratique. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que Dieu leur a, de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants. Allah Azza wa Jalla également, donc il dit les serviteurs, wa'ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa'ibadur rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Donc c'est qui cela? Ça se traduit en action. Ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent salam. الَّذِينَ إِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ paix, يعني ils ne rentrent pas dans les polémiques et ne répondent pas à leur insolence. Ici, les ignorants, ce n'est pas l'ignorance, l'opposé de la science, de la connaissance. Ici, les ignorants, c'est dans le comportement, c'est-à-dire les insolents, qui lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu, qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah et qui ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commettent pas la fornication et quiconque fait cela encourra une punition. Donc on voit à chaque fois, la croyance est traduite en action, en noble caractère. Et les hadiths prophétiques établissent également un lien étroit entre les nobles caractères, l'akhlaq, le comportement, et la foi, la croyance, faisant des nobles caractères, l'implication et le fruit de la croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la croyance, les croyants qui ont la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement. Donc ça, c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les croyants qui ont la foi la plus parfaite. Ça se traduit, la preuve de cette foi, c'est le comportement avant tout. Il n'a pas dit les actions. Il dit également من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. Donc, quiconque croit en Dieu au jour du jugement dernier. Ça, c'est croyance. Après, il parle, donc, cela doit se traduire en action, en comportement. Il dit, donc, qu'il entretienne ses liens de parenté. Qui croit en Dieu au jour du jugement dernier, qui s'abstienne de nuire à son voisin. Quiconque croit en Dieu et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. À chaque fois, la croyance est traduite en action et en comportement. Le prophète Hassan dit également, la foi se compose de plus de 60 ou 70 branches. La plus élevée est le fait de proclamer qu'il n'est de Dieu que Dieu. La plus basse, c'est ôter du chemin toute nuisance et la pudeur est une branche de la foi. Donc, au départ, il a commencé à parler de la foi, de la croyance. Il se compose de 60 ou 70 branches. Et il fait de ces branches-là, dont les nobles caractères font partie de ces branches. Donc là, on a vu comment l'akhlaq, la morale, est liée à l'aqida. Dans le sens où donc, la morale, c'est le fruit le plus important de l'aqida. Comme la morale, c'est le fruit de l'aqida, la morale, c'est aussi le fruit d'une adoration saine d'Allah Azza wa Jalla.
Donc, on va voir comment la morale est liée à l'ibada, au culte, à l'adoration. Et là, on voit d'une manière évidente que les principaux actes cultuels de l'islam ont clairement un objectif éthique. Par exemple, on voit la salat. La salat, Allah Azza wa Jalla nous dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Il accomplit la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâme. C'est-à-dire que si vraiment tu pries comme il se doit, normalement, cette salat doit te préserver du mal, doit te préserver du mauvais comportement. Et c'est malheureux de voir des personnes qui, lorsqu'ils sont dans la mosquée, là, c'est des anges. Et là, ils sont bien organisés, ils sont alignés, etc. Et lorsqu'ils sortent, ces personnes qui étaient bien organisées, alignées, déjà, lorsque tu vois comment ils sont garés, hein, là, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'organisation. C'est l'anarchie totale. C'est quelqu'un d'autre. Il était souriant. Il sort. C'est quelqu'un qui triche. C'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Là, en réalité, comme disent les savants, l'un des signes de l'acceptation de ton adoration, c'est lorsque les fruits de cette adoration se sont vus concrétiser en toi. Sinon, attention, remets en question tes actes d'adoration. D'accord ? Donc, la zakat aussi a un objectif éthique. Ce n'est pas uniquement un impôt social, hein, uniquement hein, qu'on prélève des plus riches pour le redistribuer aux plus pauvres. Mais c'est également un moyen de purification spirituelle et un moyen de se prémunir de shurh, de l'avarice. Allah Azza wa Jalla dit, prélève de leur bien une sadaqa. Donc, pourquoi ? Donc, donc il dit, par laquelle tu les purifies, par laquelle tu les purifies et les bénis. Le jeûne vient de sortir donc de cette adoration qui est le jeûne. Allah Azza wa Jalla l'a dit clairement dans le Coran que le jeûne, son objectif, c'est l'éducation de l'âme pour l'habituer à dominer ses passions et à se révolter même contre ses accoutumances. En d'autres termes, le jeûne prépare l'âme à atteindre la piété. Hein, la piété qui est le summum de la morale de l'éthique musulmane. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô les croyants, on vous a prescrit un siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Là encore, c'est-à-dire que si Ramadan est sorti et toi, il n'y a rien qu'à changer en toi. Tu n'as pas bonifié, réformé ton comportement. Là, il faut remettre en question à ton jeûne. El Hajj, pareil. Donc, il prépare le musulman au renoncement, à l'attachement, au plaisir hein, de la vie mondaine et de se libérer de l'attachement à Dunya, se libérer des contraintes matérielles. C'est pour ça que lorsque le musulman rentre en état de sacralisation, donc, il va s'initier à une vie fondée sur la simplicité, sur la modestie, sur la paix, l'abnégation, le renoncement. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihin al-Hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil Hajj. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. C'est un voyage de paix vers une terre de paix pendant un moment de paix. L'objectif, c'est que lorsque tu rentres de l'Hajj, tu es complètement transformé. Tu deviens une paix pour tous ceux qui sont autour de toi. Mais si tu vas au Hajj, tu reviens exactement comme tu étais, ou peut-être même pire, là, il faut se poser la question sur ton pèlerinage.
Et d'ailleurs, lorsque tous ces actes cultuels, nous avons dit, leur objectif suprême, c'est un objectif éthique. Donc, si ces actes cultuels perdent ces objectifs, ces notions, et ne réalisent pas leurs objectifs éducatifs, en réalité, ils perdent par là même leur sens et deviennent un corps sans âme. Yani, tu pries, et ta prière, c'est un corps sans âme. Elle n'a aucun effet sur toi, sur ton comportement, sur ton éducation spirituelle. Tu jeûnes, ça n'a aucun impact sur toi. Tous tes actes d'adoration, tu es parti au Hajj, tu es revenu, il n'y a rien qui a changé en toi. Tes actes d'adoration sans ces objectifs, donc qui sont les nobles caractères, finalement, tous tes actes d'adoration, c'est un corps sans âme. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que le professeur Anselm dit, celui dont la prière ne le préserve pas de la turpitude, n'a point de prière. Ça, j'ai dit au début. Donc ça, c'est n'a point de prière. Ici, il parle de l'acceptation. La prière, oui, t'es pas endetté. T'es pas redevable d'une prière, ça, tu l'as faite. Mais en tant qu'acceptation, pour ça, l'un des signes de l'acceptation, comme j'ai dit, c'est de voir les fruits concrétisés. Mais si ta salat ne t'éloigne pas du mal, ne te réforme pas, ça ne fait rien, ça n'a rien changé en toi. Point de salat, c'est-à-dire ta salat n'est pas acceptée. Professeur Anselm, par rapport aux jeunes, aux prières, il disait combien parmi ceux qui veillent la nuit en prière, qui n'auront de leur prière que le fait de veiller. Al-Qiyam, ça n'a rien changé en eux. Ils prient une grande partie de la nuit. Le lendemain, lorsqu'ils se réveillent, c'est des catastrophes pour les gens. Ou bien, Prophète, il dit également, donc, il dit à propos du jeûne, celui qui ne s'abstient pas de mentir et d'agir en pur mensonge, Dieu n'a que faire de son renoncement à son manger et à son boire. Son jeûne, c'est juste un corps. Donc, Dieu n'a que faire, c'est-à-dire il n'accepte pas ce jeûne-là. Il ne l'accepte pas. C'est un corps sans âme. Il dit également, combien a-t-il de jeûneurs qui n'auront de leur jeûne que la sensation d'avoir faim et soif. Donc, le jeûne, c'est juste un corps sans âme. Donc, on voit comment les éléments essentiels de l'islam, l'aqida et l'ibada, ont pour objectif les nobles caractères. Et donc, c'est pas normal lorsqu'on voit un musulman qui n'a pas un bon comportement, il peut tout dire sur sa croyance, sur l'islam, sur sa aqida, sur les nombres rak'at du fait ou le nombre de jours jeûnés, mais tout ça, ça ne vaut rien. Et la morale, comme elle est liée à tous les éléments constitutifs de la religion, elle intervient dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. La morale, par exemple, elle est dans l'économie. La morale intervient dans le champ de l'économie et des finances, que ce soit dans le domaine de la production, des échanges, de la distribution et de la consommation. Donc, par exemple, par rapport à la production, le musulman ne peut pas, il ne lui appartient pas, de produire ce qu'il veut quand ceci est nocif aux gens, au niveau matériel ou moral, même si ça peut apporter un bien considérable. Mais non, c'est la morale qui passe avant. Donc, par exemple, culture du tabac, de l'opium. Alors, ça peut avoir un intérêt économique. L'alcool, mais l'islam l'interdit parce que c'est préjudiciable pour la santé et pour la sécurité. Le fait de fermenter le raisin pour le transformer en vin, là aussi, dans la société, ça peut apporter effectivement au niveau économique des bénéfices considérables pour les producteurs, pour les propriétaires de vignes, etc. Mais l'islam n'a pas pris en considération cet intérêt économique. Pourquoi ? Étant donné les énormes nuisances que renferme le vin sur l'aql, sur l'intellect, sur le corps, la santé, sur la morale, en plus des préjudices causés à l'individu, à la famille, à la société. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché, le mal, est plus grand que l'utilité. En matière d'échange aussi ou de commerce, il n'appartient pas aux musulmans de vendre tout ce qui est nocif. Hein, vendre de l'alcool, du porc, de la bête non égorgée, hein, des statues d'idole, ni de vendre quelque chose hein, s'il sait qu'elle sera utilisée dans le mal. Et la corruption pour nuire aux autres, comme par exemple le fait de vendre hein, du raisin à celui qui, tu sais, qui va le transformer en vin. Ou vendre une arme à quelqu'un, tu sais, qui va l'utiliser, par exemple, pour tuer un innocent, etc. Il n'appartient pas aux musulmans, par exemple, de monopoliser des produits alimentaires et ce dont les gens ont besoin. Pourquoi ? Donc, ils le gardent comme ça. Ça va être rare sur le marché et le prix va augmenter. Le prophète sallam l'interdit, bien que c'est question d'une propriété privée. Le prophète sallam dit, celui qui pratique la monopolisation, celui qui pratique la monopolisation est certes fautif. Comme il n'appartient pas aux commerçants musulmans de cacher les vices et les défauts de sa marchandise en mettant en avant et en accentuant ses qualités, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man rachana fa ilayhi samina, celui qui trompe n'est pas des nôtres. » Or, il nous arrive à tous. Hein, juste, si je vous donne un exemple, quand je veux acheter, franchement, lorsque je veux acheter une voiture, est-ce que le premier réflexe, pourtant je suis musulman, hein, je vais essayer d'éviter les musulmans. Subhanallah, c'est une vérité. Mais pourquoi ? Subhanallah, pourquoi ? Je vais chez le non-musulman, il y a moins de risques de me faire avoir que lorsque je vais chez le musulman. Subhanallah, ça doit être le contraire. Pourquoi là où il y a de la délinquance, là où il y a le non-respect du voile, c'est là où il y a les musulmans, voire même là où il y a les mosquées. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Personnellement, ça m'est arrivé hein, pour la voiture, d'acheter chez un musulman, et finalement, hein, tu vois qu'il a triché, mais vraiment d'une manière très vicieuse, pour cacher donc, un vice, un défaut dans le moteur. C'est vraiment dommage. Donc, dans le domaine de la distribution, etc., on n'a pas le temps hein, de parler de tout, mais aussi même dans la consommation. Hein, le musulman n'est pas libre de dépenser ses biens comme bon lui semble, même si hein, cela est préjudiciable à sa personne, à sa famille, à sa société. Non, tu ne fais pas ce que tu veux, même avec ton propre argent. L'islam a encadré la consommation par l'équilibre et le juste milieu. Dit, ne porte pas à ta main enchaînée, donc ça, il parle de l'avarice, à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Donc là, il parle fatak oda malouman mahsour. Il parle donc du juste milieu. Wakulu washrabu wala tusrifu. Donc, mangez, buvez, et ne commettez pas d'excès. Car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. La morale intervient aussi dans la politique. Donc, en islam, la politique est liée à la morale. Il ne s'agit pas d'une politique, comme on dit, à machiavélique, ou en considérant que la fin justifie les moyens, quelle que soit leur nature. La politique en islam est une politique des principes et des valeurs auxquelles elle se tient sans jamais s'en écarter. Quelle que soit la situation, quels que soient les moments, même dans les moments les plus délicats. L'imam refuse le moyen condamnable, même s'il fait parvenir un noble, à une noble fin. Le prophète Hassan dit, « Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. » Dieu est bon et n'accepte que ce qui est bon. Le moyen condamnable, tout comme la fin condamnable, est refusée. La règle, c'est qu'il faut un moyen propre pour une fin noble. Concernant le rapport de l'État avec ses citoyens, leur site soit fondé sur la morale. Dieu dit en s'adressant aux détenteurs de l'autorité,
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Hein? Donc, ça, c'est ainsi assumer hein, les responsabilités matérielles et morales envers les ayants droit et juger entre les gens en toute équité relève de l'obligation hein, de l'État vis-à-vis des citoyens. Et donc, il est interdit pour le gouvernant musulman de favoriser, par exemple, l'un de ses proches ou de son entourage en lui confiant une responsabilité qu'il ne mérite pas, en privant celui qui la mérite. En islam, la politique intérieure doit être fondée sur la justice et l'égalité entre tous les citoyens en matière des droits, des devoirs, des sanctions, etc. Même dans les relations internationales, le fait de respecter hein, les engagements. Hein, soyez fidèles au pacte de Dieu après l'avoir contracté. Et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés, comme nous dit Allah Azza wa Jalla. Même la guerre en islam est liée avec la morale. L'islam, bien sûr, n'a pas inventé la guerre. La guerre, aussi en islam, ça ne signifie pas la proscription de l'honneur hein, dans l'altercation ni de la justice dans le comportement. Hein. Alors parce que en réalité, dans la guerre, les gens se déchaînent. Dans la guerre, les gens oublient hein, la notion d'humanité, de comportement, de morale, etc. Alors, la guerre, c'est quelque chose qui est inhérente à l'humanité. Elle est permanente et inévitable. Donc, il y a toujours eu des guerres. La guerre ne représente pas seulement une inéluctabilité, mais c'est une nécessité fondamentale pour l'harmonisation du monde, en réalité, par ce qu'Allah Azza wa Jalla l'a appelé « sunnatul tadafur », la neutralisation mutuelle des hommes. Allah Azza wa Jalla neutralise les hommes par les hommes, à travers, hein, notamment à travers les guerres. Allah Azza wa Jalla dit « وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا » dit si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup évoqué. Mais bien sûr, la nécessité de la guerre ne signifie pas donc céder aux instincts de la colère, ni assouvir sa haine, hein, sa dureté, son égoïsme. Si la guerre est quelque chose d'inéluctable, qu'elle soit donc dans la décence, hein, dans, limitée par la morale, hein, dirigée contre les agresseurs et non pas hein, contre les innocents, comme dans hein, plusieurs versets d'Allah Azza wa Jalla. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Donc combattez ceux qui vous combattent seulement. Et ne transgressez pas. N'allez pas au-delà du nécessaire. Allah n'aime pas les transgresseurs et bien sûr les versets hein, sont nombreux par rapport à cela. Alors, l'islam n'a pas inventé la guerre, mais il l'a humanisé. Et c'est pour ça que hein, le prophète sallam faisait ce commandement à ses chefs. Ne spoliez pas, ne trahissez pas, ne mutilez pas, ne tuez ni moines hein, dans leur monastère, ni femmes, ni enfants, etc. Comme hein, il y a un excellent ouvrage de Marcel Boisard qui s'appelle « L'humanisme de l'islam », il part de cette notion-là. Juste, je vous lis ce passage hein, de ce qu'il a écrit. Il dit « Fondamentalement réaliste, la révélation coranique admet la violence et légitimise la guerre. Toutefois, la lutte n'est autorisée que pour réprimer l'injustice. L'autorisation d'entreprendre le combat armé
est explicitement motivé et immédiatement limité. La guerre doit nécessairement être déclarée en tant qu'autoprotection ou légitime défense. Les hostilités doivent être menées dans la décence selon les voies divines et l'agression ou l'initiation des combats sans raison valable sont interdites. La violence répond à la violence, la force à la justice. Donc, on voit par là que l'akhlaq rentre dans tous les domaines, donc est lié à tous les domaines de l'islam, lié aux éléments constitutifs de l'islam, et intervient dans tous les domaines de la vie. Donc voilà, c'était juste ici un aperçu de l'importance de l'akhlaq. Et que la valeur du musulman, c'est justement lorsque sa croyance, lorsque ses actes cultuels, ses actes d'adoration ont produit en réalité leurs effets et se sont traduits en noble caractère. Comme j'ai dit au début, l'important, ce n'est pas ce que le musulman dit de sa foi, l'important, c'est ce que sa foi fait de lui. Donc voilà, on s'arrête là, Inch'Allah, pour l'intervention, pour vous laisser donc, le temps pour des questions, des remarques, des débats. Voilà. Barakallahu fik. Donc effectivement, il y a quelques questions qui sont là. Première question, quel rapport faites-vous entre la morale islamique et l'éthique islamique? Moi, personnellement, je ne fais aucune différence. Donc là, il y a un grand débat entre les deux mots, en réalité, morale et éthique. Vous pouvez même, si vous faites des recherches vous-même, vous allez voir que certains essaient de faire une différence entre éthique et morale, d'autres disent éthique égale morale, morale égale éthique. Donc pour moi, éthique musulmane égale morale musulmane. Donc c'est ce que, yani, c'est ce que en arabe, on appelle akhlaq. Je ne parle pas de l'adab, hein, les bienséances, adab. Là, effectivement, il y a une nuance entre les deux mots arabes, akhlaq et adab. L'akhlaq, c'est ce noble caractère, cette morale, ça peut être inné. Certains, subhanallah, yani, sans effort, il est, mashallah, très patient, indulgent, généreux. C'est inné en lui. D'autres, ben, il faut faire un effort pour arriver à avoir ce comportement. Comme on dit, innama al-hilmu bit-tahallum. L'indulgence, c'est par le fait de se forcer à être indulgent jusqu'à ce que ça devienne naturel. Alors que l'adab, en général, c'est quelque chose qui est acquise. Là, ce n'est pas inné. L'adab, par exemple, le fait de dire salam alaykoum, répondre alaykoum salam, etc., demander la permission avant d'entrer, etc. Ces choses-là, ce n'est pas inné, on les apprend. Ça, on les appelle l'adab. Voilà par rapport à ça. Barakallahu fik. Donc, autre question concernant le rapport avec les actes d'adoration. Donc, on a bien compris que la morale donc, est un indicateur par rapport à la pratique de nos actes d'adoration, à savoir si derrière notre morale est changée, c'est que forcément nos actes d'adoration sont faits correctement. Donc, la question, c'est y a-t-il des moyens pour justement faire en sorte que nos actes d'adoration, nous les faisons correctement pour qu'au final, notre morale soit changée. À l'instar de la prière, donc la prière permet de nous éloigner des mauvaises choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que notre prière puisse effectivement nous éloigner et donc améliorer notre comportement? Alors, je dirais, la première chose, c'est la sincérité. Plus nous sommes sincères dans notre adoration, parce que après, c'est des fruits divins. Parce que si nous sommes sincères dans notre adoration, Allah Azza wa Jalla va nous aider ensuite à être dans la droiture, dans la rectitude du comportement. Et aussi le fait de se dire pourquoi on prie plusieurs fois. Pour ça, dans certains hadiths, Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tahtariqoun, vous brûlez, yani à cause de vos péchés. Ensuite, vous faites la salat, et Allah, il absout
les péchés par cette salat. C'est-à-dire que je dois avoir toujours, tu te dis, subhanallah, ça serait hypocrite de ma part. J'étais là il y a quelques heures, il y a quelques minutes, j'étais devant Allah Azza wa Jalla. Je mets mon front devant Allah Azza wa Jalla et maintenant, hein, je fais autre chose. Là, j'ai menti, etc. Là, je dois me remettre moi en question par rapport à ça et je me dis, mais c'est de l'hypocrisie ce que je fais. Comment ? Il y a quelques minutes, j'étais devant Allah Azza wa Jalla, je me prosterne et donc je réponds à son ordre de prosternation et là, il me demande autre chose et je ne le fais pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs prières parce qu'à chaque prière, il faut que je me rappelle ça. Donc, quand je vais aller à ma prière, je pense à ce que j'ai fait entre les deux prières. Je dis, subhanallah, avant de venir, j'ai regardé ce qu'il ne fallait pas, j'ai écouté ce qu'il ne fallait pas, etc. Donc, je vais re-rentrer dans la prière, je vais demander pardon à Allah Azza wa Jalla dans l'optique de ne pas refaire ça jusqu'à la prière d'après. Et ainsi, je vis dans le souvenir. Et c'est ça ce qu'on appelle le dhikr. Le dhikr, ce n'est pas uniquement les paroles que je dis. Les paroles, ça m'aide à vivre dans le souvenir constant d'Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Barakallahu fik. Donc, autre question. Concrètement, quels sont les comportements qui sont demandés, qui sont requis pour le croyant vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa famille ou vis-à-vis même de sa communauté, des gens qui l'entourent? Alors là, bien sûr, il y a plusieurs cercles. Il y a le comportement. Il y a ce qu'on appelle déjà l'akhlaq, on peut le diviser en deux grandes catégories. Al-akhlaq rabbaniya. Akhlaq rabbaniya, c'est une morale yani vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans les actions du cœur. L'amour d'Allah Azza wa Jalla, la crainte d'Allah Azza wa Jalla, l'espérance à Allah Azza wa Jalla, le tawakkul, l'acceptation, al-rida, al-shukr, la reconnaissance, hein, ainsi de suite. Tout ça, ça s'appelle akhlaq rabbaniya. Là, c'est mon comportement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Mon comportement vis-à-vis de moi, hein, là, ça va être, par exemple, hein, la modestie, la tawadu, hein, vis-à-vis des autres. Après, bah, c'est toute cette morale, tous ces nobles caractères qui, finalement, résument le hadith « Ad-dinul mu'amala ». La religion, c'est le comportement vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est tout ce qui peut parfaire cela. Donc, l'indulgence, la patience, la générosité, le bon voisinage, le respect du plus âgé, le respect du plus savant, la compassion vis-à-vis du plus jeune, le respect de l'environnement aussi. Donc, ça, c'est par rapport aux choses inertes. Le respect de l'environnement, de la propreté, hein, qui, comme on l'a vu dans le hadith du Prophète, ça fait partie des branches de la foi. Le minimum, c'est d'ôter, hein, une saleté, quelque chose donc, qui gêne les gens de la route. Donc, dans la famille également. Et c'est très important dans la famille parce que si je n'adopte pas les bons comportements dans la famille, à plus forte raison, je ne peux pas les avoir à l'extérieur. Celui qui n'a pas appris le respect dans la famille, l'amour de l'autre dans la famille, hein, la compassion, la liberté, hein, être libre, mais aussi donner la liberté à l'autre pour écouter, etc. L'égalité, hein, entre frères et sœurs, etc. Donc, Ar-Rahma, la justice, si toutes ces valeurs-là, je ne les apprends pas dans la famille, je ne vais pas pouvoir les pratiquer dans la société. Barakallahu fik. Donc, autre question. Y a-t-il des indicateurs qui nous permettent de savoir qu'en termes de comportement vis-à-vis des autres au niveau de notre relationnel, que notre comportement est un comportement sain que l'on a vis-à-vis de notre relationnel? Donc, existe-t-il certains indicateurs qui nous permet de savoir qu'on a un bon relationnel? Alors,
Moi, je dirais le premier indicateur, c'est comment les gens te considèrent. D'accord ? Est-ce que tu es aimé, accepté des gens, etc. Parce que ça, c'est des choses qui se ressentent. Hein. Plus les gens n'aiment pas, par exemple, l'arrogant, l'orgueilleux, celui qui aime le prestige, celui qui veut toujours parler de lui, celui qui veut avoir telle ou telle chose. Donc, là, en général, tu vas ressentir ça de la part des gens. Mais le premier indicateur, c'est toi. C'est vraiment toi. Donc, c'est pour ça que le muhasaba est quelque chose de très important dans la purification de l'âme. Le muhasaba, l'introspection, l'examen de conscience. C'est à toi, chaque jour, tu te retires, tu penses à ce que tu as fait, à ce que tu as dit, à ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, comment j'ai réagi, est-ce que ça, je l'ai fait vraiment parce que j'étais sincère ou pas. Donc, après, donc, les indicateurs, comme j'ai dit, toi-même, les autres, notamment tes détracteurs, hein, parce que les détracteurs, ils vont se focaliser sur tes défauts. Donc, lorsque même un détracteur, même si tu sais qu'il t'a dit ça pour te vexer, mais peut-être, et même pas peut-être, certainement, ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que lui, le détracteur, il va se focaliser sur tes défauts. Toi, au lieu de te focaliser sur qui t'a dit ça, focalise-toi sur l'objet en soi. Est-ce que vraiment tu es comme ça ou pas ? Si tu es vraiment comme ça, au lieu d'en vouloir à celui qui te l'a dit, toi, remets-toi en question. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Donc, il y a encore quelques questions, mais vu le temps, on va juste poser une question qui est en fait qui vient, on va dire, pour rebondir à la réponse de la question entre l'adoration et la moralité. Donc, vous avez évoqué le fait que la sincérité est une des premières conditions pour que notre acte d'adoration soit valide. Et donc, une personne a posé la question pour que vous puissiez en dire un peu plus sur la sincérité dans l'acte d'adoration, à savoir, est-ce que ça veut dire que l'on doit savoir ce qu'on fait et pour qui on le fait. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la prière, par exemple, être conscient, au final, de ce qu'on fait et pour qui on le fait. Est-ce que la sincérité, ça représente uniquement cela, ou c'est quelque chose qui est beaucoup plus important et beaucoup plus vaste ? Alors, effectivement, on aurait pu donc s'étaler sur la question de sincérité. Mais le minimum, c'est ça. Le minimum, c'est dire sincérité. Si je le fais, je le fais pour Allah Azza wa Jalla, pour l'agrément d'Allah Azza wa Jalla et pour rien d'autre. Je ne le fais pas pour qu'on voit que je prie, hein, parce que ça fait bien. Hein, surtout, des fois, les jeunes ici, bon, c'est la mode un petit peu de prier. Et ça fait bien d'être musulman. Hein, je prie, je vais à la mosquée, etc. Est-ce que tu pries juste parce que si tu ne pries pas, tes copains ils vont dire pourquoi tu ne pries pas ? Ou est-ce que tu pries parce que vraiment, c'est pour Allah Azza wa Jalla ? Mais ça, c'est continuellement, hein, parce qu'il se peut que tu as été sincère peut-être au début de la salat, et au milieu, hein, ça a changé. D'accord ? Donc du coup, je ne sais pas, tu commences à prier, et il y a quelqu'un qui rentre dans la mosquée, alors que la première raka'at, tu l'as un petit peu bâclé, là, tu commences à parfaire la deuxième, parce qu'on te voit, etc. Donc du coup, sujoud, il est plus long, etc. Donc ça peut être, hein, l'intention, c'est quelque chose qu'il faut revoir continuellement, avant l'action, pendant l'action et après, pour se juger est-ce que je l'ai fait pour Allah Azza wa Jalla ou pas. Mais l'essentiel, c'est effectivement se dire est-ce que vraiment j'ai ressenti la proximité d'Allah Azza wa Jalla, est-ce que j'ai prié là comme vraiment, hein, j'étais devant Allah Azza wa Jalla, comme lorsque, par exemple, ce que dit Abu Hamd Ghazali dans son livre La revivification des sens de la religion. Il dit, lorsque, ce qu'il y a pour le khushur, c'est, imagine, lorsque tu te présentes devant, je ne sais pas, ton patron, devant un ministre, devant un roi, est-ce que tu te permets d'être distrait ? Du tout. Tu es concentré. Tu n'aimerais pas, hein, qu'à un moment, il te parle et tu trouves que tu n'es pas là. D'accord ? Mais là, tu te montres, tu te tiens bien, etc. Tu es bien concentré. Il dit, imagine, devant Allah Azza wa Jalla, le roi des rois, etc. Donc, il faut avoir cette attitude-là. Là, tu es devant
Allah Azza wa Jalla, plus que ton patron, plus que le roi, etc. Allahu a'lam. Barakallahu fik. On va donc clôturer pour aujourd'hui. Désolé encore pour les questions qui sont posées, mais il faut quand même qu'on clôture. Donc, cher, si vous pouvez juste nous faire une invocation, Inch'Allah. C'est juste par rapport à un conseil de lecture, par rapport à l'éthique ou à la morale musulmane. Il y a un livre vraiment super excellent, le meilleur dans ce domaine-là, qui est le livre de Mohamed al-Ghazali. C'est Mohamed al-Ghazali, pas Abu Hamid, le contemporain, l'égyptien, rahimahullah. C'est une sommité. D'ailleurs, je vous conseille tout ce qu'il écrit, hein, Mohamed al-Ghazali. Dès qu'il y a quelque chose de traduit de Mohamed al-Ghazali, prenez. Donc, ça s'appelle L'éthique du musulman, tout simplement. Mohamed al-Ghazali. L'éthique du musulman, c'est un livre super, vraiment super. Édition Le Qalam, je crois. En plus, il est bien traduit. Franchement, c'est un livre extraordinaire. Donc voilà, barakallahu fikoum. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan fid din. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alayna bi ma'rifati al-'ilm wa sahhil akhlaqana bil 'ilm waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fik, cher. J'ai juste une question encore qui est plutôt liée à l'IESH, donc c'est pour ça que je l'ai gardée un peu pour la fin. On me demande en fait quand est-ce que va reprendre les activités à l'IESH et est-ce que les inscriptions pour les cours à distance vont rouvrir prochainement? Alors, les cours à distance, ça, il n'y a pas de problème. Hein. C'est à tout moment qu'on peut s'inscrire. Et je vous conseille vivement d'ailleurs hein, de prendre l'exemple, de suivre l'exemple de Mohar. Donc, en vous inscrivant dans ce cursus à distance, qui est vraiment très, très riche, hein, le programme est très riche. Par rapport aux activités, alors si c'est, vous parlez des activités estivales, donc les colonies, les séminaires, on attend donc la deuxième moitié de juin, vraiment pour être fixé. On est en train de voir avec la préfecture. On attend donc les consignes de la préfecture pour voir donc est-ce qu'on peut vraiment respecter ces consignes et tout ça. Donc, à partir de la deuxième moitié de juin, sera fixé. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec l'IESH pour voir s'il y a des colonies, des séminaires pendant l'été sur place. Mais dans tous les cas, il y aura certainement des séminaires en ligne. D'accord ? Donc, il y aura certainement, au minimum, il y aura des séminaires en ligne. Barakallahu fik. Merci à toutes et à tous, en tout cas pour votre participation. On remercie encore une nouvelle fois, cher Montsef Zanati, pour votre présence. Et Inch'Allah, au plaisir de vous recevoir physiquement sur Mulhouse. Inch'Allah. Que derrière un écran. Et sinon, pour le reste, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéoconférence. Et tenez-vous informés à travers les réseaux sociaux. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum. Wassalamu alaikum.